時僕の心は音もなく崩れ去った。Bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Keito et on se retrouve sur Danganronpa. Ça fait bien au moins 6 mois, 8 mois, 10 mois, enfin bref, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps que j'attendais de pouvoir faire la suite de ce jeu. Avant toute chose, je vais juste remercier la team de Trad. Je vais aller chercher son nom, juste 2 secondes. Mais je vais remercier Kazuhito, je crois. Si j'écorche pas bien, je crois que c'est ça. Mais Kazuhito, je crois que c'est son pseudo, qui m'a gentiment indiqué comment continuer. Enfin, comment régler un petit problème, parce que j'avais un petit problème avec le patch de traduction et voilà, c'est je vais enfin pouvoir finir ce jeu. Et plus que finir ce jeu, on va surtout pouvoir voir la fin de ce jeu surtout. Et alors on en était à la fin du chapitre 3, donc écoutez les amis, on va pouvoir continuer sur le chapitre 4 tout simplement. Et Léon a tué Sayaka. Monokuma a tué Junko. Ouais. Puis Léon s'est fait exécuter. On a un petit Piemondo a tué Shihiro. Et s'est ensuite fait exécuter. Ifumi a tué Taka. Puis Céleste a tué Ifumi. Et Ifumi, elle s'est fait exécuter. Ça mène à maintenant. Le matin suivant dans la salle à manger, le jour suivant l'affaire de Céleste. Alors maintenant on n'est plus que 5 ici. Juste un tiers du nombre de personnes de départ. La solitude est devenue ordinaire, c'est vrai. Mais pourtant. Qu'est-ce que j'ai vu hier? Ah oui, c'est vrai qu'on était resté là-dessus! Ah oui! Sakura est l'espion de l'instigateur. Est-ce que tout va bien? Non, je vais bien. Je ne peux pas parler. Si je faisais ça, on serait tous plus embrouillés. Dans ce cas, mangeons jusqu'à perdre connaissance. Tu veux dire quoi par dans ce cas? Alors, regarde à quel point vous avez tous l'air effrayés, sûrement parce que vous battez l'estomac vide. Si vous remplissez votre ventre, je suis certaine que ça va vous remonter le moral, alors mangeons. D'ailleurs, je tiens à prévenir aussi que je crois que c'est Desper Team. Je sais plus. Ah, attendez. Hop. Je vais juste chercher le nom de la team qui est voilà, juste ça, 30 secondes hein. L'équipe Mirai, voilà, l'équipe Mirai qui est en train de traduire Super Danganronpa 2. J'ai trop hâte parce que après Danganronpa 1, je vous ferai aussi je crois qu'il y a le patch qui suit en fait qui est la suite du Danganronpa 1 mais avant le Danganronpa 2. Ça, il faut que je voie parce qu'ils ont donné une petite liste de comment faire les jeux, donc il faut que je voie. C'est génial, cette team elle est géniale, bref. Et je vais vous faire tous les Danganronpa, ça c'est sûr. En plus le 3 a une traduction en française directe, alors autant vous dire les amis que ça va être du génial. Allez, on continue. Allons frire quelques poissons et donuts et mangeons jusqu'à ce qu'on ne tienne plus debout. On se croirait dans Deep Impact avec l'impact d'une météorite, des combinaisons de nourriture. Quoi, ce sont tous les deux les meilleurs en vente du petit déjeuner. Voilà. Tout de même, la partie jusqu'à ce qu'on ne tienne plus debout est un problème. Nous allons devoir explorer. Alors, je crois qu'il y avait un truc. Ouais, je sais plus. C'est vrai, puisque le procès éclair s'est terminé, nanana, de plus nous avons toujours alter ego, nous n'avons pas encore sombré dans le désespoir. Et a raison, nous allons devoir aller de l'avant et penser à notre futur. C'est ça, penser à des choses heureuses, pas à des choses sinistres. Genre si on pense quand on sortira d'ici, ça marche. Je pense que je voudrais renaître sérieusement, je veux dire renaître en quelqu'un de sérieux. Tu vas bien, on dirait que tu es sur quoi? Mais super bien, je vais pas mourir. Pourquoi ça? Parce qu'il n'y a plus aucun meurtre.
Je l'ai prédit la nuit dernière, ça m'est venu comme ça, il n'y a pas de doute possible. Je peux normalement atteindre 20 ou 30% si tout se passe bien. Vous l'avez dit, ma divination c'est pas... La clairvoyance et de la clairvoyance ne met pas dans la même catégorie que... Elle parle d'une légende urbaine où des aliens enlèvent des vaches et les dissèquent pour leur recherche. Ça en fait ça m'est arrivé un jour où je suis allé chercher un hamburger. Je suis jamais allé, ils disaient que leur steak haché était 100% pur bœuf. Alors j'ai pris un hamburger emporté et en peu de temps, le ciel était rempli d'une mystérieuse... Une sorte de faisceau bizarre est sorti même. À ce moment-là... Oh, ça va être ça, la miniature. Non. Alors, attendez. Je fais une petite pause, je reviens. Ok, re. C'est bon, j'ai trouvé comment on faisait la capture d'écran. Et puis voilà. Alors, et après, toujours en flottant, le burger a commencé à se défaire. Un morceau a simplement disparu pendant que le reste est tombé dans ma main. Ok. Alors je suis retourné au restaurant de burgers. Je suis allé voir le grill du manager et ils l'avaient vraiment mélangé avec du porc haché. Je ne sais pas si tu es pour ou contre l'occulte. Tu empêches la solidité. Comment oses-tu? Tu puis vraiment, c'est un fait. C'est pas grave. En tout cas, j'espère que ta prédiction va s'avérer vraie. Je ne vais tuer personne. Pareil, je veux dire, je ne ferai jamais ça. Moi non plus. De même pour moi. Je ne pourrai jamais tuer. Je sentis que ces mots d'encouragement nous aidaient à nous rapprocher. Après tant de sacrifices, de souffrances, nous étions... Byakuya et Toko soient... Ah oui, c'est vrai qu'il reste Byakuya et Toko. Mais ils sont tellement durs à gérer, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ouais, on est mieux sans eux, je dois dire. C'était assez pour prouver qu'on était unis pour l'instant, mais que derrière... Et effectivement, chapitre 4, All Stars Excuse. Oula, c'était qui la personne? Nous avons commencé nos recherches dès que nous avons fini le petit déj, il fallait qu'on trouve ce qui était ouvert. Alors, non, c'est pas ce que je cherche. Commande RB. Alors, ok. Ouais, c'est juste histoire de me souvenir des... Alors. Donc ça, c'est... ça, c'est pour courir. Et... Alors, comment on sort déjà? Non. Non. Ah oui, parce que ça fait un moment que j'ai pas joué au jeu. Donc, forcément... voilà, CR. Forcément, je dois reprendre le jeu en main. Hop, voilà. Donc ça, c'est pour courir. Là, on a la carte. Alors, niveau de la carte, on a donc lui qui est mort lors du précédent chapitre. Elle qui est toujours vivante. C'est nous. Mort pendant le chapitre 2. Morte au premier chapitre. Toujours en vie. Ouais, je vous fais un rapide résumé alors qu'on a déjà eu un résumé. Toujours en vie. Souvenez, c'est elle a une double personnalité avec un psychopathe. Alors elle est morte par Monokuma. Tuée. En vie. D'ailleurs, elle, on suppose. Que c'est un traître. Mort au premier chapitre. Toujours en vie. Mort. Et puis voilà. Bon bah écoutez, on va aller chercher ce qui a été ouvert. Et puis voilà hein. Tac. Alors au niveau des pièces, est-ce que j'en ai beaucoup? Ah oui, j'ai quand même 166 pièces. On va monter. Alors par où on peut monter? Dortoir. Ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est le... C'est pas là. Tac tac tac. Ça c'est la sortie. Ok, les escaliers sont là. On va prendre les escaliers. Ok.
Ok, les escaliers d'après. Merde, c'est pas ce que je veux. Ok, ils sont là-bas les escaliers. Je me doutais bien qu'il y avait un... Voilà, ils sont là. Je me souviens. Donc là, c'est là où il y a eu le dernier dernier meurtre la dernière fois. Et maintenant, on va voir si le troisième... Je crois que, de souvenir, c'est le troisième étage qui est ouvert. Hein, de souvenir... Non, ça, c'est le labo de physique, c'est pas ça. Et bien joué, Kaito. Allez, tu sors. Donc, du coup... Ouais, j'ai tourné un peu trop... hop, voilà. Et du coup, direction le troisième étage. Nous avons maintenant accès au troisième étage. Peut-être que cette fois, nous trouvons des indices. Ok, donc nous avons visiblement les toilettes hommes. Le labo de données. On va les visiter. On va faire un petit peu de... Ah, c'est fermé. Ok. Ah, il y a un truc sur Monokuma en plus. Visiblement... Alors là, on a la salle de musique. Ok, il n'y a que ça. La direction, la salle de musique. Qui m'a l'air tout à fait normal. Ah, c'est une salle de classe. Ça ressemble plus à une salle de concert. Non. Tu sais, tu n'as pas encore dit à quoi tu pensais. Ce que je pense à propos de la salle secrète dans les toilettes des garçons. J'ai trouvé la salle secrète, mais dès que j'ai commencé à regarder l'intérieur, j'ai été attaqué. Du coup, je n'ai pas vu qui était. Quand je me suis réveillé, il y a montagne de dossiers de documents. Ouais. Je suis désolé, je sais à quel point c'était important. Suspectais. Quand j'ai découvert la pièce, ils ont dû me voir entrer dans les toilettes des garçons et ne pas en sortir. Voir comment reste l'indicateur. Je voulais surtout voir si l'instigateur connaissait cette pièce. Doit y avoir un indice que nous ne connaissons pas qui aurait pu révéler. Alors tu savais. Laisse-moi te demander autre chose. As-tu vu la note laissée là-bas? Vous ne devez pas partir. Je vais me pencher sur ça. Si je trouve quoi que ce soit, je te ferai savoir. Ça te va? Elle a dit ça comme si c'était une question, mais c'était clair que j'ai rien à dire. Alors maintenant, c'est à ton tour et comptons. Est-ce que je me trompe? Ah! Quel est le problème? Si tu t'inquiètes à propos de la caméra, pourquoi ne pas tout simplement l'écrire? Tu as raison, on ne devrait pas avoir de secret, mais il n'y a rien de pire que de douter. Ah, est-ce qu'on lui dit? Est-ce qu'on lui dit? Est-ce qu'on lui dit? Ouais, allez, on lui fait confiance parce que c'est la waifu. C'est la waifu, donc on lui fait confiance. Je n'ai pas encore trouvé de preuve formelle, si j'en parle maintenant. Biv! Oh, vas-y, je suis obligé de ne pas lui dire. Que penses... Mais penses-tu que c'est juste, tu étais heureux d'écouter ce que j'allais dire, maintenant tu refuses de partager? Non. C'est bon, au revoir. Allez. Vas-y, elle est en colère, là. Moi, je voulais lui dire. Par contre, il y a quoi en dessous? C'est bizarre, ce truc bleu. Alors, visiblement, directeur, est-ce qu'on peut rentrer? Ah, c'est fermé, je m'en doutais. Là, c'est les bureaux, sûrement les trucs des profs. Bingo, c'est les la salle des profs. C'est la salle des professeurs, mais bien sûr, je ne vois aucun... Mince. Faire sur eux, hein. Ah, une petite pièce, allez. Par contre, moi, ce qui m'intrigue, c'est ça. Qu'est-ce que... Il y a une photo sur le sol, cette photo. Céleste, Ifumi et Sayaka. Les visages souriants de ces trois personnes à présent décédées. Une salle de classe en plaque de métal sur les fenêtres. C'est comme la photo que j'ai vue l'autre fois. Il est impossible que ce ne soit pas important d'une façon ou d'une autre. Souris de la manière que des adolescents normaux.
Juste un groupe de lycéens normal ayant une vie scolaire normale. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient été capturés. Capable d'un tel sourire dans un monde de désespoir comme celui-ci. Alors ça veut dire que cette image a été prise avant qu'ils ne reviennent à l'Académie de l'Espoir. Ce qui signifie que tout le monde... Non, ce n'est pas possible, Monokuma, la fête, ça doit être truqué. Tu es truqué. Un coup monté, t'es quoi, un collégien? Tu penses que les premiers pas sur la lune ont été truqués, franchement? Alors tu veux dire que cette image est... S'il y avait un prix Nobel de la vérité, je prendrais la première, deuxième et quatrième place. En fait, c'est probablement faux. J'ai posé une question, cette photo est-elle réelle ou bien truquée? Je suis vraiment impatient de ranger les choses dans une case, pas vrai? Si tu essayes de diviser quelque chose qui ne peut pas être divisé, tu finiras par avoir l'impression d'être celui qui est séparé. Je me souviens quand j'avais vu ça, donc sur... Quand j'avais vu ça en anime, parce que je vous rappelle que le jeu est en anime, je me souviens m'être dit que, et bien sûrement qu'en fait il n'était pas mort et qu'il y avait une... tout simplement une autre... En fait ils n'étaient pas morts et Monokuma les emmenait dans des salles de classe spéciales. Voilà. Mais il y a plein de pièces ici. Je pense qu'on a fini là-dedans. J'ai la flemme de récupérer toutes les pièces. Je vous le dis. Hop. Sortir d'ici. Alors, du coup, maintenant il nous reste quoi à observer? Ah, bah les deux salles de classe ici. La troisième A. Un jour j'ai vu Monokuma en classe. La 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 la. Je suis content que cet étage soit débrouillé, mais il y a une tonne de... J'ai pas lu. Ok. Alors cette classe... Oh, oh là là. Ah, c'est dur d'être fatigué. Hein. Alors bonjour, je suis Monokuma du magasin de l'école. Je suis très gentil, ramasse tes pièces et viens jouer avec moi. Je pourrais... Solitude. Manque un mot. Où je pourrais solitude. Je suis très gentil, ramasse tes pièces. N'empêche, je tiens juste à préciser que tout ça, ça a été traduit par une team. Enfin, je veux dire, tout ce qu'on voit là, ça a été traduit. Enfin, c'est génial. Je veux dire, les mecs, ils ont travaillé pendant des mois, je suppose. Bah oui, c'est sûr, pendant des mois. Pour sortir quelque chose, enfin je veux dire, regardez sur votre écran, dites-vous que tout ce qui est là normalement n'est pas traduit, que ça directeur c'est pas censé être traduit, que bureau c'est pas censé être traduit, enfin que chapitre 4 et journée c'est pas censé être traduit, enfin c'est génial, moi je trouve que la team elle a fait un taf de fou, c'est génial. Moi j'adore. Dans la pièce, l'odeur des médicaments était oppressante. Alors, le laboratoire de chimie. J'espère qu'inhaler tous ces trucs ne va pas me faire des dégâts permanents. Alors. C'est un marron. Hein, écoute-moi, d'accord, il y en a, détends-toi. Il y a plein de choses qu'on n'avait pas avant envie de... Vitamines, minéraux, acides aminés, sératine. Et quoi, ils ont même du protéines et... Protéinzyme X. Qu'est-ce que c'est? Une boisson protéinée de haute qualité. Elle est très différente de cette eau grasse dans l'entrepôt, très appréciée des amateurs. Une véritable mine d'or. Mes prières ont enfin été entendues. C'est le moment de se recharger en prière alors. Il y a beaucoup à penser, mais pour l'instant, je devrais retourner à la salle en manger. En parler aux autres. Bien, 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 bien. Les autres sont arrivés. Et après quelques minutes. Bien. Partageons nos découvertes. Bonne idée. Alors on va commencer par Sakura. Des planches métalliques ont été fixées. Nanana, aucune ne peut être enlevée. Comme dans le reste du bâtiment. Je doute qu'on puisse s'échapper du troisième étage. Bien qu'il fallait s'y attendre. Ok, toi. J'ai trouvé deux salles, mais elles étaient fermées. Le centre de données et le bureau du directeur. Et aller à l'intérieur, on s'en fiche de ce verrou.
Le chaînon manquant le plus puissant du monde ne devrait avoir aucun souci à démolir une pauvre porte. C'était quoi ça? Non, je t'en prie, continue. Tu viens de dire que j'avais le plus joli derrière du quartier. Plus belle ange de la ville, c'est ça que t'as dit? Sûrement pas. Alors t'as dit quoi, car je sais que tu ne parlais pas de démolir la porte du bureau. Quelle sorte de guerre contre l'éducation essayes-tu de mener? C'est mon bureau, tu sais, pour le moment, en tout cas. Tu songes à l'enfoncer? Crois-moi, tu ne veux pas m'énerver. As-tu la moindre idée de la quantité de bactéries qui vivent sur une simple griffe d'ours? Je suis très calme. Ah, j'adore, ils ont ajouté des petits smileys. J'espérais ne pas avoir ajouté une règle pour ça, mais si tu continues d'avoir ce genre de pensée, je n'ai pas trop de choix que de l'ajouter au règlement de l'école. Enfoncer une porte verrouillée est interdit. Voilà, il y a une règle maintenant. Bande de... Non, mais si. La nouvelle règle a été ajoutée au règlement. Il est parti. Les gens, j'ai eu peur de... J'ai eu la peur... Non, les gens, j'ai eu peur pour ma vie. Pardon, excusez-moi. J'étais sûr qu'il allait me tuer, je vous jure. Mais s'il insiste pour créer une nouvelle règle à ce sujet, c'est que quelque chose d'important doit être caché dans le bureau du directeur, c'est certain. Et maintenant qu'il y a une règle, on ne peut plus rien faire. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas nous dire? Il y a une grande armoire dans le labo de chimie avec plein de produits chimiques différents. Et il y avait une distribution exceptionnelle d'additifs supplémentaires. Et au moins jeté, je vous le recommande chaudement. Je crois qu'il y a que toi et Ogre qui êtes intéressés pour ça. Tout n'est pas bon par contre. Il y avait des médicaments, mais aussi il y avait aussi plein de poisons différents. C'était clairement étiqueté, pourtant il me semble difficile d'en prendre par erreur. Pas en parler. Qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, juste au cas où, vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'à où? Ouais, je pense que t'as raison. Il s'agit de Byakuya, il le découvrira bientôt de lui-même. Placer une chose aussi dangereuse au vu et au su de tout, c'est certainement le travail de l'instigateur. Et du coup, il reste là où il faut qu'on va écouter. Les mineurs. Elle est carrément en colère, ouais, on dirait. Je parie que c'est de ta faute, hein. Tu dois lui avoir fait quelque chose. Donc vous avez tout dit ce qui devait être dit, je pense. Mais on dirait que personne n'a trouvé d'indice, c'est encore moins de sortie. C'est à cause de mon père qui fumait au lit. Non, c'est non, je dois rapporter une information. Et cette photo au deuxième étage, tu parles de celle qui montrait Mondo Shiro, tous ensemble. Oui, je m'en souviens, qu'est-ce qu'il y a? Trouver une autre juste comme celle-là. Une autre? Et cette fois, il y avait Celestia, Ifumi et Sayaka dessus. Et ils souriaient tous. Salle de classe n'avait aucune, mais... En fait, moi, j'avais pensé qu'ils étaient pas vraiment morts. Et qu'en fait, leur mort était une mise en scène. Et qu'en fait, c'était une sorte de jeu où en fait, les gens ne mouraient pas. On leur faisait croire qu'ils étaient morts, mais ils étaient pas morts et on les envoyait ensuite en sécurité dans un autre lycée où ils prenaient des photos et tout, genre une sorte de jeu en fait, et celui qui gagne, il gagne ce qu'il veut quoi. Et comment ça se fait? Monokuma a dû la truquer, mais si l'image est réelle, alors tous ceux qui étaient dedans, il doit y avoir un lien caché, vous ne croyez pas? Une vérité enfouie qu'on ne comprend tout simplement pas. Impossible, c'est truqué. Mais Monokuma a dit qu'elle était réelle. Je sais qu'on peut simplement penser que c'était un mensonge, mais... Alors tu crois davantage les paroles de Monokuma que ceux de mort? C'est ce que tu dis? Non, non, c'est pas ça. Je suis choqué, tu dis à tout le monde que nous devrions croire en nos amis, mais tu refuses de faire de même. Pourquoi deviens-tu si émotive? Je ne comprends pas pourquoi elle est tellement en colère. Peut-être vous chamailler ou votre chance va partir à la dérive. En tout cas, Makoto, tu te prends trop la tête. Impossible que Monokuma ait truqué. Essaye de nous embrouiller, tu ne devrais pas écouter ce que tu as peut-être raison, mais... J'ai l'impression que vous avez sorti vos griffes. Vous avez tous ce même air vide sur le visage. Vous étiez ici deux auparavant, vous ne devriez pas vous laisser chuter plus bas. Quand je vous regarde, vous me faites penser à une grenouille s'enfonçant dans un amas de fumée. Désolé, pourquoi tu t'excuses? Laisse-nous tranquille, tu n'es pas avec nous. C'est plutôt vrai, vos problèmes ne sont pas les miens. Nous sommes et serons éternellement complètement différents, je crois. La cause de vos visages si deux n'a donc absolument rien à voir avec moi. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, mais c'est pas juste le chapitre 4 qui a été traduit, c'est le jeu en entier qui a été traduit. Tout a été traduit. Donc, je vais pouvoir finir le jeu avec vous et c'est génial. Voilà, je crois que j'avais pas précisé, mais je préfère le préciser. Oui, au bout de 20 minutes de vidéo. S'il m'arrivait de découvrir un indice vital, cela ne vous concernerait pas le moins du monde.
Si, Afenon. Yakuya, que prépares-tu? Je peux bien vous le dire, peut-être qu'en forçant vos cerveaux fainéants à travailler, vous irez mieux. Je prenais un bain. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Le numéro de loterie d'aujourd'hui? Est-ce qu'il lui a dit quelque chose? Nous allons peut-être tous prendre un bain. Bonne idée. Un bain mixte. Bon, et bah allons prendre un bain. Allons prendre un bain. Tac. Quand je suis arrivé au vestiaire, Toko était assise seule sur le banc, l'ordi portable devant elle. Avec maître, t'as besoin de le repérer. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ferme-la, arrête de m'embêter. Dégage là, on doit parler à Alter Ego. Promesse, Mène m'a dit d'attendre ici, donc c'est ce que je fais. Si tel est le désir de merde, je ferai ce qu'il me demande. T'adores vraiment être maltraité. Très bien, si vous voulez me voir partir, par tous les moyens. Salut les gens, il se passe quoi? On aimerait que tu bouges. Pas de soucis, agenouillez-vous et suppliez-moi. D'abord une super mazo, maintenant une super sado. Oh, on s'en fout, on va aller voir le... Chaud, les génocidaires. Ah d'accord. Toko, je te demande sérieusement de nous laisser utiliser l'ordinateur. T'as pas entendu ce que je t'ai dit? Mets-toi à genoux et supplie-moi. Fais-lui un buffon combo à tes genoux, s'il te plaît. Pourquoi fais... Putain, je t'en supplie, peut-être. Sentiment hyper miraculeux de bonheur, toute ma colère réprimée envers maître. Bon, bah. Même toi, tu réalises que c'est de la vue. T'as adoré sur rien, Ok, allez, casse-toi. Rapprochez-vous tous. Je l'ai déjà dit à Byakuya, mais je suis vraiment un piraté. L'heure est finalement venue. On va apprendre la vérité. J'avais le même sentiment posé sur le clavier, mes mains s'étaient mises à trembler. Bouge, l'unique mot était... Ouf. Nous y sommes. Les mots apparaissaient aussi vite que je pouvais les lire. Puis-tu nous dire ce que tu as trouvé? Extrait les informations. J'ai découvert un fait particulièrement important. Un certain plan a été mis en place pour isoler les étudiants de l'académie du Pic de l'Espoir et créer une vie en communauté pour eux. C'était le but établi de ce plan, mais ça devait être plus qu'une vie scolaire normale. Les étudiants devaient passer le restant de leur vie ici. C'est la situation exacte dans laquelle nous nous trouvons. Et en plus, les personnes de l'administration de... Alors la raison pour laquelle on a tous été, c'était pas le travail d'un psychopathe ou d'une organisation criminelle, c'était l'école elle-même. Je pense qu'Alter Ego n'a pas terminé, nous devrions peut-être écouter le reste. Semblerait que la raison pour laquelle ils ont conçu le plan soit à cause de ce qui est arrivé il y a un an. Ils ont dit qu'il s'agissait de l'événement le plus horrible, le plus atroce et désespérant de toute l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi ce nom exagéré? En tant que la tragédie. C'était apparemment un événement dévastateur. À cause de la tragédie, l'académie de Pic de l'Espoir a été forcée d'interrompre son rôle d'école et de fermer. Je vois, les choses prennent finalement un sens. Cela signifie qu'il y a un an, cette chose, la tragédie, a pris place. Et cette tragédie a forcé l'académie de l'Espoir à fermer ses portes. À partir de là, ils ont décidé d'utiliser l'école comme mise en scène. Ils avaient prévu de séquestrer des étudiants ici et ceux-ci vivraient le restant de leur vie. Oui. Quel a été cet événement désespérant? Désolé, je ne sais pas si cette information était sur l'ordinateur, apparemment il n'y est plus tellement inutile, je suis désolé. Alors c'est vraiment la fin, on a la moitié de la réponse, c'est tout. Semblerait bien, c'est décevant. Je pense que ça pourrait être important, je crois que c'est un lien avec l'instigateur. Non, je ne laisse pas tomber, j'ai effectivement trouvé un indice. Celui qui a dirigé le personnel de l'académie, c'était le directeur de l'académie. Cette même personne pourrait très bien être l'instigateur, et selon les fichiers, le directeur est un homme approchant de la fin de la trentaine. Il semble possible, même probable, qu'il soit quelque part dans cette école en ce moment même. Ça va être se considère comme les... Mais si on fonce la porte, on est mort, alors on est sorti. Ah là 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 là.
Alors, elle essaya probablement de reprendre son calme et à recommencer tout ce que j'ai trouvé, toutes les infos de cet ordinateur portable semble assez vieille, c'est tout ce... Alors tout est vraiment terminé. C'est un sujet, mais je me posais des questions. Je n'ai pas vu celle-ci. Ils sont tous morts. Je vois, je savais que c'était une possibilité, mais c'est vraiment arrivé. Excusez-moi, ça ne sert à rien que je déprime sur des choses que je ne peux pas changer. Tu as fait ton travail, merci. Alors, je vais peut-être me reposer un peu, je suis assez fatigué, au revoir. Sur ces mots, l'ordinateur s'est mis en veille. Donc, alter d'ego, nanana, nous n'aurons plus besoin de lui parler. Mais je me sens... C'est triste, mais il n'est qu'un programme. Je sais, mais quand même, il a fait... Tu ne dis pas à ton ordinateur pour travailler à chaque fois que tu l'éteins, si. Eh bien non. Mais quand on a parté à Alter Ego, je crois que je ne voyais pas de cette façon. Hein? Oui, oui. Oh, franchement, c'est juste un programme, vous pourrez bien le différencier d'un ami. Tu sais quelle est la différence entre nous et ce programme, finalement? J'ai commencé à réfléchir à la manière de différencier une personne d'une IA. C'est bien, c'est juste un programme, mais en même temps, je ne pouvais m'empêcher de le considérer comme un ami. Je pense que je peux comprendre pourquoi vous pensez comme ça. Alors, il n'y a pas très hein, plus on y fout. Écoutez, amitié n'a aucune valeur de survie, en fait. Hein. Bref. Fais pas donc bref comme ça, c'était un truc très malin et cool, même si... En tout cas, Alter Ego ne peut pas nous aider davantage. Ce qui signifie que son rôle... Et franchement, je remets en question la facilité avec laquelle... Nous égarons, nous devrions revenir une nouvelle fois sur ce qu'a dit... La bonne idée, à quoi penser? Est-ce qu'ils veulent qu'on s'entretue? Ouais, il a même dit que c'était l'événement le plus horrible. Ça devait être un immense incident. Mais une telle chose s'est-elle vraiment produite il y a un an? Je me souviens de rien qui puisse vous ressembler. Cet événement a amené l'académie à fermer ses portes. À défaut d'autres choses, il y a dû avoir une sorte de connexion à cette école. Peut-être que tous les étudiants d'ici ont été assassinés. Nous aurions entendu parler de ce genre de catastrophe au moins l'un d'entre nous. Ça expliquerait pourquoi aucun d'entre nous ne savait que l'école avait fermé. Notre expérience leur salarié, elle devrait pouvoir se charger. Peut-être, mais pour le moment, un seul chemin s'ouvre à nous. Nous devons trouver le directeur de l'académie du Pic de l'Espoir. Nous devons le trouver et le faire tout à bout. Tant que nous pouvons mettre nos mains sur lui. Quand elle a dit directeur, j'ai eu ce sentiment à nouveau. N'est pas si facile à résoudre. Ouais, t'as raison. Bon, notre affaire est terminée ici pour le moment. Nous devrions sortir d'ici. Bonne idée. Alors je vais... Oh non, je n'attends plus. Je ne le regarde pas. Viacor va être tellement en colère. Évitons de nous impliquer davantage. Bien dit. Eh bah écoutez les amis, ah, mon cœur bat extrêmement vite, il bat de colère. C'est entré, hein. Je suis un peu jaloux que vous ayez pris un pain mix obscène, mais ce n'est pas non plus. Ma tête est sur point de déborder de rage. Colle-toi bien ça dans le crâne, quand on me fait quelque chose, je le rends tout de suite. Œil pour œil, dent pour dent. Non, c'est juste une expression. Oh, je vois, mais de quoi il parle? Ceci était... Ah, il va... Autrement dit... Ok. Il est l'heure d'aller au dodo. Donc, c'est la période de nuit. Je suis d'accord. Très bien. Dans ce cas, il est temps d'aller dormir. Et donc... Chacun est retourné dans sa chambre, les mots de Moku. Alors, dès que je peux sauvegarder, dès que je suis retourné dans ma chambre, je me suis perdu dans mes pensées. Ce qu'on avait appris d'Alter Ego, hein, tiens, genre, nanana, ils ont fait tout ça à cause de la tragédie. Apparemment, et c'est... Tous ces mystères m'inquiètent. Je dois essayer de les dénouer petit à petit. Je suis sûr que la route sera longue et difficile, mais je n'ai pas d'autre choix. Alors... toujours plus de jeux, hein. Parle-moi un peu de mon existence avant que je ne devienne un ours. Au début, j'étais complètement perdu, je n'avais aucune idée de ce que j'avais. Une dame d'un département technique, bien sûr.
Oh, l'entreprise a toujours essayé de faire marcher. Nanama, qui me réveille tous les directs. Je sais pas, une queue tigrée comme je l'espérais. Elle était de la taille d'un petit pot de corne. Elle était minuscule, elle aurait été plus petite mascotte du monde. J'aime manger les crevettes, pas en devenir une. En plus, je risquerais de me faire écrabouiller par quelqu'un. Et puis, Adam a carrément commencé à se moquer de moi. Il disait, tu penses qu'on peut faire une crevette tigrée avec notre budget? Ok. Ok, donc là, c'est le matin. Omaewa. Omaeda. Ok. Donc il est 7h, il est l'heure de se lever. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que le retour de Danganronpa vous aura plu. Si c'est le cas, faites péter la barre de pouces bleus. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Kaito. Bye tout le monde.